Mesdames, bonsoir. Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du 20h sur Canal 2 International, votre chaîne de télévision. À la une de cette édition, 32% d'enfants de moins de 5 ans au Cameroun souffrent toujours ou encore de malnutrition, soit un enfant sur trois. Les régions septentrionales sont les plus touchées. L'appel à la mobilisation générale impliquant les entreprises privées a été lancé ce jour ici à Douala au cours d'un forum de 48 heures qui s'est ouvert sous la présidence du secrétaire d'État à la santé publique, Alim Ayatou. C'est une affaire de crânes. Venant du soleil levant, les crânes de gorilles, une dizaine au total, rattrapés par les autorités compétentes entre les mains des braconniers. Le système et la politique braconnage se poursuit dans la région du soleil levant malgré le dispositif mis sur pied par les autorités du ministère de la Faune et de la Forêt. Dans cette édition également, on parlera de cette note triste, le monde musical qui est en deuil. L'artiste Belanjo a rangé sa guitare. Le père de Mambo Peña et de belle-mère Webobé s'est éteint ce matin ici à Douala des suites de maladie. Mesdames, messieurs, voilà pour la vitrine de votre journal. Une fois de plus, bonsoir. La 16e édition du Conseil national de la route s'est rassemblée ce jour à Yaoundé, à l'immeuble Étoile, sous la présidence effective du Premier ministre, chef du gouvernement. Le Conseil national de la route a tablé sur les coûts de la construction des routes au Cameroun qui sont les plus élevées sur le sol africain, soit 200 millions de francs CFA le kilomètre, alors que les prix africains tournent autour de 100 millions de francs CFA. Il faut donc arrimer les coûts de construction des routes au Cameroun à cette norme africaine. On parle également des coûts qui sont élevés à cause de l'importation des matériaux entrant dans le bitumage de ces routes-là. Peut-être l'application d'une politique d'exonération permettra de ramener le coût du kilomètre de route bitumée à 40 millions de francs CFA. Le Conseil a également parlé du renforcement des pesages, mais également d'un système automatique et informatique qui devrait être renforcé au niveau de ces postes de pesage. Concernant justement la route, le ministre de l'Économie, lui, se trouvait à N'Djamena aujourd'hui. Il a pris part à la signature d'une convention entre le Tchad et le Cameroun pour la construction d'un pont sur le Logone à l'extrême nord qui devrait relier le Cameroun au Tchad. La convention va ainsi permettre l'engagement des études techniques de faisabilité de cette route. Dans l'actualité, bien évidemment, la lutte contre Boko Haram, le Cameroun recrute au milieu et parmi ses amis. La Russie s'engage également à soutenir les efforts de guerre du Cameroun pour lutter contre ses forces du mal. La confirmation a été faite aujourd'hui ici à Douala par l'ambassadeur de Russie au Cameroun et en Guinée équatoriale, Mireille Fleurmané. La Russie s'engage à venir en aide au Cameroun dans la lutte contre les forces radicales, notamment Boko Haram. L'ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun l'a annoncé ce 27 mai lors de la visite effectuée dans les locaux de l'organisation non gouvernementale ODHPC. Le temps dernier, votre pays, le Cameroun, pays amical pour la Russie, se trouve dans une situation assez aggravée. Je mentionne ici les frais de l'extérieur dans l'entourage immédiat de votre pays, c'est le frais des forces radicales terroristes comme Boko Haram. Une visite qui a permis aux représentants en terre camerounaise du président russe Vladimir Poutine de réaffirmer les liens d'amitié existants entre le Cameroun et la Russie. D'ailleurs, il annonce l'arrivée très prochaine au Cameroun du ministre des Affaires étrangères russe. Nous tenons compte des difficultés économiques et humanitaires qui se sont manifestées le temps dernier. Et la Russie est disposée de supporter, d'aider, d'offrir l'aide à votre pays, y compris l'aide humanitaire. La lutte contre Boko Haram doit être une affaire de tous. La société civile, tout comme les ONG, doivent s'impliquer. Recevoir une puissance comme la Russie au sein de l'organisation, c'est un privilège pour l'organisation et c'est un privilège pour le Cameroun. Et je crois que surtout en ce moment où la sécurité du pays dans la sous-région est menacée sous le coup de Boko Haram,
Je crois qu'il est temps que la société civile, c'est-à-dire que les journalistes, les sociétés civiles, les ONG, puissent être solidaires et patriotes afin de se regrouper autour de celui qui l'incarne. L'invité du jour n'est pas reparti les mains vides. Il a reçu des présents de divers ordres des mains du président de l'ODHPC. On n'est toujours pas d'accord avec le régime en place, mais on s'engage à lutter contre Boko Haram. Ses propos sont quasiment ceux du premier secrétaire du Peuple Uni pour la Rénovation Sociale, le PURS, Serge Espoir Matomba, au cours d'une conférence aujourd'hui, a redit l'engagement de cette jeune formation politique, mais également de toute la jeunesse camerounaise à accompagner la lutte contre Boko Haram. Robert Chalitok. Le PURS, Peuple Uni pour la Rénovation du Social, dit non aux attaques transfrontalières et soutient l'action de nos forces de défense. Une déclaration de son premier secrétaire, Espoir Serge Matomba. Nous voulons dire ici, déjà donner notre soutien en tant que citoyen et en tant que formation politique à nos forces de défense. Nous voulons dire à notre armée que nous sommes avec eux pour le combat de notre véritable souveraineté. Le PURS, par la voix de son leader, entend ne pas hériter d'un pays déstabilisé en proie aux guerres et au terrorisme. Même s'il ne partage totalement pas les idéaux politiques de l'équipe dirigeante, pour la stabilité du pays, l'union fait la force et un appel est lancé aux jeunes. Il est clair que nous ne partageons pas toujours la politique gouvernementale, mais en ce qui concerne la défense du territoire, la défense de la nation, nous invitons tous les jeunes Camerounais à être prêts parce que l'agresseur, qui qu'il soit, qu'il se cache derrière un visage, qu'il se cache derrière une appellation Boko Haram, nous allons défendre notre pays, nous allons défendre notre territoire, nous allons garantir la stabilité dans notre pays. Cette déclaration à s'unir à lutter contre la secte islamiste Boko Haram afin de préserver la stabilité chère à notre pays intervient après celle lancée par le chef de l'État Paul Biya à Paris. On notera également dans le cadre du combat contre Boko Haram une mobilisation dans le Noun, à l'ouest du pays, où des imams se sont rassemblés, les autorités traditionnelles également, afin d'appeler la communauté musulmane à s'inspirer seulement du Coran et à s'éloigner de la politique propagandiste de cette secte islamiste Boko Haram. Parlons d'autre chose, et ces 32% des jeunes Camerounais de moins de 5 ans qui sont encore touchés par la malnutrition dans notre pays, la mobilisation doit être forte, impliquant même les entreprises privées. Le siège du JICAM ici à Douala abrite depuis ce matin un forum business rassemblant donc ces entreprises. La cérémonie était présidée par Ali Mayatou, le secrétaire d'État à la santé publique. Reportage. 32% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique au Cameroun. L'UNICEF appelle les entreprises du secteur privé à s'impliquer dans la lutte contre le fléau. Un business forum pour la nutrition s'est ouvert à cet effet ce 27 mai à Douala. Mettre ensemble ces différents acteurs, le secteur privé, le secteur public, la société civile, les partenaires au développement, est une bonne opportunité de pouvoir analyser la situation et de voir comment le secteur privé peut contribuer à la résolution de ce problème tout en gardant leur fonction première qui est celle de faire du business. Le ministère de la Santé publique est également impliqué dans l'organisation du forum, une énième mesure de riposte contre le fléau qui ne cesse de se développer. Les régions de l'extrême nord, du nord et de la Damawa sont les plus affectées. C'est un fléau presque national. Le Nord Cameroun, c'est parce que c'est une région qui a une particularité de l'accroissement rapide des populations. Et surtout, le climat est très défavorable à certaines agricultures, à certaines variétés de nourriture. Et les activités des parents ne sont pas des activités toujours très économiques pour permettre à la famille d'accéder à un certain nombre de traitements au départ. Voilà pourquoi cette partie du Nord Cameroun connaît une forte croissance en matière de la malnutrition au Cameroun. Le business forum nutrition s'étendra sur 2 jours. Les résultats attendus sont entre autres la création d'un fonds d'investissement nutrition et la contribution des entreprises privées à l'atteinte des objectifs SUN au Cameroun.
On parle bien de malnutrition et forcément une confusion peut s'imposer entre famine, malnutrition et sous-alimentation dans ce contexte précis de 32% de jeunes Camerounais de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition. Il est question avec Atitou Langa de comprendre les raisons, les fondamentaux, mais également le sens exact de la malnutrition. La malnutrition chez les enfants peut se manifester de plusieurs façons et le plus souvent évaluée par la mesure de la taille et du poids. Ainsi, un enfant peut être trop petit pour son âge, on parle alors de retard de croissance. Ou alors, un poids faible pour sa taille, on parlera d'émaciation. Et encore, un poids trop faible pour son âge, on parle ainsi d'insuffisance pondérale. On a deux types de malnutrition. On a la malnutrition aiguë, qui est celle qui est la forme la plus visible, hein, que l'on trouve ici, avec une forme sévère qui peut entraîner une mortalité. On sait qu'il y a 9 fois plus de risques pour un enfant qui souffre de malnutrition aiguë sévère de mourir qu'un enfant qui a une nutrition normale. Et puis on a la forme la plus insidieuse, c'est celle-là qu'on ne remarque pas, qui est la malnutrition chronique, qu'on appelle aussi retard de croissance. Dans le monde, une récente estimation indique que la sous-nutrition des mères et des enfants est responsable à 45% des décès et de 11% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans. La malnutrition est causée par des carences en vitamines et minéraux et peut se manifester par des conditions telles que la fatigue, la pâleur associée à une anémie. Par les pratiques inadaptées, on retrouve un allaitement maternel insuffisant et un sevrage brutal avant l'âge de 24 mois, souvent expliqué par une nouvelle grossesse. Plus d'un enfant sur deux âgé de moins de 5 ans souffre d'anémie sur toute l'étendue du territoire national, soit 3 934 160 enfants en 2014. Nous restons en santé en annonçant que demain à Yaoundé se tient une importante cérémonie, celle de la présentation du stock des antirétroviraux commandés et payés par le chef de l'État à hauteur d'environ 5 millions de francs CFA. La cérémonie sera présidée par le ministre de la Santé publique. Peut-être une bonne nouvelle pour ces personnes vivant avec le VIH-SIDA qui sont dites en difficulté. C'est le premier sujet qui ouvre justement la partie du journal du côté de Yaoundé. On va retrouver Yaoundé, Javis Senana. Bonsoir Yaoundé, bonsoir Javis. Jacques Zé, merci de nous retrouver à Yaoundé en compagnie de nos millions de téléspectateurs. Vous faites bien d'évoquer la question des PVVS, les personnes vivant avec le VIH-SIDA, qui ont rendu public aujourd'hui un chiffre qui fait peur au dos. 20% de centres de santé dans notre pays étaient donc plongés dans des pénuries. Et donc, c'est une bonne nouvelle que vous nous apportez ce soir et d'ailleurs que la solution soit réglée. Mais avant, ils ont pris la parole devant la presse et nos reporters étaient présents, Merveline Capi et Constant Kamga. La situation des personnes vivant avec le VIH reste critique au Cameroun. Woum a presque fait un mois sans arriver. Ça veut dire bienvenue la résistance. Et si c'est la résistance, il n'y a que les deux lignes au Cameroun, première, deuxième ligne. Et si les résistances sont deux lignes, il faut qu'ils s'expatrient pour pouvoir se prendre en charge. Selon le rapport 2013 du Treatment Access Watch, un observatoire communautaire de l'accès aux soins des populations, le test de dépistage a été accessible dans 63,2% de centres de prise en charge. Pour ce qui est de l'accès aux médicaments, 20,6% de centres ont été touchés par des ruptures d'antirétroviraux en 2013, soit une augmentation de 6,6% par rapport à 2012, où seuls 14% de structures étaient concernées par ces cas de rupture. Le rapport présenté à la presse ce jeudi 27 mai à Yaoundé interpelle les pouvoirs publics à redoubler d'efforts dans la lutte contre le VIH-SIDA et la prise en charge des malades. Nous pensons que ce pays est suffisamment riche et il est même inadmissible qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on dépende à près de 75% des financements externes pour ce qui concerne la santé. Et lorsqu'on parle d'émergence en 2035, on ne peut pas être émergent avec des cadavres. L'ouverture du dossier, procédure par laquelle on admet et enregistre un patient dans un centre de prise en charge, n'est à ce jour pas toujours définie dans les textes de l'État qui régissent l'accès aux soins des populations au Cameroun. Voilà, 200 Camerounais sont en situation dramatique en Espagne, notamment dans les enclaves de Ceuta et de Melilla, et attendre le soutien du gouvernement camerounais dans ces conditions dramatiques. Il y en a un qui a réussi
a retrouvé la cité capitale Yaoundé. Ghislain Pierre Sono s'est occupé de lui et les images sont de Samuel Bonis. Il y a eu 740 embarcations pour la seule année 2004. 81 décédés et 60 disparus d'immigrés clandestins à destination d'Espagne. Dans ce dangereux voyage de rêve, le Cameroun occupe le cinquième rang. Mais l'IA et Ceuta constituent la base arrière avant la traversée pour l'Espagne, raconte Robert Lipoti. Je suis parti du Cameroun par voie de terre pour l'Europe, où je suis passé par le Nigeria, le Niger, l'Algérie, le Maroc et puis l'Espagne par l'enclave de Melilla. Il faut dire que tout au long de ce voyage, c'était très compliqué. J'ai vu les compagnons de voyage et les compatriotes mourir devant moi. J'ai trouvé des compatriotes au Niger, en Algérie, au Maroc, bloqués. À ce jour, le nombre de résidents légaux se rapproche de 5%. Problème, en dehors du Cameroun, les autres pays de l'Afrique, au sud du Sahara, se disent disposés à accueillir leurs fils. Il y a presque 150, voire plus de Camerounais qui sont à Ceuta et Melilla en Espagne, qui doivent rentrer. Ils sont là-bas dans ce qu'on peut considérer comme des prisons douces. Les compatriotes sont bloqués là-bas. Le gouvernement, par le ministre des Relations extérieures, trouve que les compatriotes ne peuvent pas rentrer en vare de plus de 5 personnes. Ces assauts massifs sont dus au fait que les jeunes fuient la misère et le manque d'emploi dans leurs pays respectifs, mais à la conquête d'une Europe elle-même en crise. Seul conseil, ne pas voyager sans ces documents officiels. Ce qui est officiel, c'est cette initiative du gouvernement camerounais qui veut voir comment est-ce que l'économie verte va s'implémenter dans notre pays à travers la transformation des déchets. Il ne faut plus brûler simplement parce qu'il y a d'autres solutions alternatives. Le sujet est tant important que Clarence Nyong'o a fait le déplacement en compagnie de Francis Nguemnan. Le processus de récupération et de recyclage des déchets est encore embryonnaire dans notre pays. Pourtant, l'État gagnerait à intégrer l'économie verte dans sa programmatique. Les artisans recyclés sont porteurs quand même de savoir-faire, et de techniques et aussi de technologies. Et donc, par conséquent, si on investit suffisamment dans ce domaine-là, on va créer des emplois. Le Cameroun ne peut pas gérer les déchets sans avoir une politique de recyclage. L'économie verte, dans ce cadre, est axée sur les artisans recycleurs, souvent marginalisés. Je sors un peu d'un monde où on m'a toujours considéré pour quelqu'un de bizarre. Quand je ramasse ma matière d'œufs, franchement, il y en a qui ont peur de me regarder. Hein. Les artisans recycleurs utilisent les déchets de divers ordres pour fabriquer leurs produits, donner une nouvelle vie aux détritus. C'est important pour la nature, encore faut-il que tout cela soit encadré. Nous sommes en train de négocier avec les différentes communautés urbaines pour voir comment accompagner de façon méthodique justement le stockage de ces déchets-là pour ne pas en faire encore des stocks qui pourraient nuire à l'environnement. Encourager donc au recyclage, tel est l'objectif du projet ISDERA, entendez, Innovative Service in Difficult Environment for Recycler Artisans. Le projet, cofinancé par l'Union européenne, se matérialise au Cameroun et au Burkina Faso. D'après le ministre du Développement urbain et de l'Habitat, Jean-Claude Mbouentchou, ISDERA pourra à terme faciliter l'assainissement de nos villes. Qui parle d'économie verte parle de protection de l'environnement. Du côté de la région de l'Est, les braconniers font la résistance. D'ailleurs, 10 crânes de gorilles ont été attrapés entre les mains d'individus qui ont donc été simplement mis en situation de contrôle parce que le ministère de l'Environnement veille à ce que le braconnage ne se passe pas comme sur un terrain de campagne. Les images sont de notre correspondant Michel Nga sous le commentaire de Alain Ebel Olinga. 10 crânes de gorille, les seules marques qui laissent les traces de la fin de parcours des 10 primates dans les forêts de l'Est Cameroun. Ça provenait de la région de Mban, dans la région de du département du Rognon, qui est un fief vraiment de grand braconnage. Les présumés braconniers sont tombés dans les mailles des filets des éléments de la délégation régionale des forêts et de la faune de l'Est, avec la collaboration des forces de maintien de l'ordre. Ça fait 2 semaines, nous sommes sur la piste de ces personnes-là. Et puis, avec l'appui de FMO, nous avons mis les gars sur le terrain et nous avons réussi à appréhender les deux messieurs, les deux personnes dont il est question. Interrogés sur le destinataire de leur butin,
Les présumés braconniers répliquent. Celui qui m'a amené, il m'a garé quelque part. Tant qu'il n'est pas là, je veux voir là, on va me mettre là. Oh, on me gorge une fois. Selon un responsable du service régional du MINFOF Est, ce sont des animaux protégés de classe A. Une grande perte pour notre écosystème. Et avec l'appui, avec l'entrée des Centrafricains et tous les autres personnes venant illicites, quoi, les personnes d'une origine douteuse. Le phénomène est vraiment accentué dans la région de l'Est. Donc avec les hautes institutions du milieu, nous sommes chargés, nous sommes déterminés à mettre fin à ce trafic illicite. Voilà qui est bien avisé. Alors si je vous posais la question, connaissez-vous la CHIM? C'est la course hippique internationale de Marois. La 10e édition aura bel et bien lieu du 30 au 31 du côté de la capitale septentrionale, la plus belle des régions. Eh bien, le président de cette fédération des sports équestres a rencontré la presse à Yaoundé pour donner les présences et surtout les grands contours en termes d'innovation de ce moment très attendu des chevaux. C'est un moment qui a été suivi par Ebel Olinga et Luc Mvondo. La 10e édition de la course hippique internationale de Marois, CHIM, aura bel et bien lieu au stade Yaya Daïrou les 30 et 31 mai prochains. Confirmation donnée à la presse par l'honorable Kamsoulou Maba Kabir ce 27 mai 2014. Les chevaux de Ngaoundéré sont présents déjà à Marois. Ceux de Garoua également sont présents. Ceux de Koussiri sont déjà arrivés. Ceux de Nigeria sont là depuis 2-3 jours. Il reste donc les chevaux de Ndamena qui, on me signale à l'instant au téléphone, qui sont en train de traverser le pont qui relie la ville de N'Djamena à Koussiri. L'événement va réunir les écuries du Tchad, du Nigeria et du Cameroun pour des courses libres. Au-delà des compétitions, la course hippique internationale de Marois se veut un grand moment de rencontre culturelle. Des fantasias et autres démonstrations équestres sont prévues par les cavaleries des Lamibé de l'Adamawa, du Nord et de l'Extrême Nord. L'objectif principal de notre activité, ce sont les courses hippiques, mais nous tendons la main à la tradition pour qu'elle ne disparaisse pas. Parce que nous pensons que c'est des occasions rares pour permettre aux chefferies traditionnelles de pouvoir s'exprimer. Dans un contexte marqué par une forte actualité sur la sécurité, le comité d'organisation de la course hippique internationale de Marois rassure. Le Cameroun s'est très vite adapté à la situation. Certainement qu'au début nous avons pensé que c'était un phénomène passager, mais j'ai l'impression, vu le dispositif militaire sur le terrain, vu la qualité de l'armement dont disposent nos forces et vu les équipements et la logistique assez sophistiqués aujourd'hui installés dans la région septentrionale du Cameroun, nous pensons que le Cameroun a pris la mesure des choses et a eu la bonne réponse. La CHIM 2014 bénéficie de l'onction gouvernementale. Les ministères en charge des sports, de la culture, du tourisme et de l'élevage ont déjà confirmé leur présence au rendez-vous du nouveau sport roi du septentrion. Joli moment donc sportif attendu à Marois. Jean-Jacques, un joli moment aussi, c'était hier la qualification, je veux dire la victoire des Lions Indomptables lors de cette rencontre préparatoire. Sur le chemin du Brésil, les Lions ont remporté 2-0 contre la Macédoine et ça fait plaisir. Je vous retourne l'antenne en vous souhaitant une très bonne continuation. Une bonne prestation en tout cas de l'équipe nationale du Cameroun, un score, vous le connaissez, 2-0, face donc à la Macédoine. D'autres matchs amicaux sont en préparation. Le plus important aujourd'hui, c'est de garder tout simplement le cap au Merjomo. Démarrage idéal pour les Lions Indomptables dans cette phase préparatoire de la Coupe du Monde Brésil 2014. 2-0, belle victoire tout de même, même si ce n'est que la modeste Macédoine qui était au menu. Les Lions Indomptables ont su se redoper le moral après la sévère défaite 1-5 face au Portugal en mars dernier. Après ce résultat convaincant de 2-0, les nôtres n'auront qu'une seule chose à faire désormais, garder la dynamique s'ils veulent entrer de bien belle manière en compétition proprement dite. Pour cela, il va falloir confirmer cette forme devant les sparring partners à venir, notamment le Paraguay le 29 mai prochain, dont jeudi. Le Paraguay 55e au classement FIFA, juste 5 marches derrière le Cameroun. Après cette rencontre contre le Paraguay, les Lions Indomptables doivent devoir muscler très fort pour nous faire rêver avant le mondial, devant la nationale Mannschaft le 1er juin prochain. Un adversaire de taille, deuxième nation au monde, dans le dernier baromètre de performance de la FIFA. Puis viendra la grande bénédiction à Yaoundé devant les fans des Lions Indomptables à Fandena, le 7 juin prochain, contre la Moldavie. Les Lions Indomptables commenceront leur mondial le 13 juin contre le Mexique,
avant d'enchaîner le 18 contre la Croatie et le 23 juin contre le pays organisateur, le Brésil. Cette note triste, on parlera désormais de lui à l'imparfait. Il était artiste, il était l'un des défenseurs acharnés du bon et vrai Makossa. Il était le père de Mambo Peña et de belle-mère Webobé, des chansons bien connues. Il était habitué à ses lunettes noires. Il était chef de communauté, on l'a dit, l'artiste Belanjo s'est éteint ce matin. La série noire se poursuit dans le milieu des artistes Lille Pijou. Belanjo est mort. L'artiste musicien camerounais a rangé son micro ce vendredi matin aux environs de 4h30 à l'hôpital La Quintilieu de Douala, de suite de maladie. Ici, à son domicile, à Bonamikano Douala, c'est la consternation totale. La famille est abattue. Quelques proches et amis sont venus reconforter cette famille qui vient de perdre un de leurs dix fils. Belanjo, c'était d'abord un grand frère à moi. Il s'appelle Njo Abedi Belé. Moi, je m'appelle Eric Emmanuel Mikano Njo. Je suis son jeune frère. Et Belé, pour nous, c'était un papa de la famille, un grand frère. Auteur des chansons à succès, Mambo Peña, produite en 1998, Bolé Bolo, Diousset, Kossa Kossa, Belle-mère et bien d'autres, Belanjo a bercé la jeunesse de nombreux Camerounais, Africains et fans de la musique. Avec cette disparition, les mélomanes camerounais perdent ainsi un précurseur du pur Makossa, mais aussi un grand chef. C'est un grand musicien que Belé Belé a perdu, puisque quand on parle de Belé Belé, Belé est issu de cette grande famille. Belanjo, né le 29 décembre 1949 à Douala, est veuf depuis plus de 10 ans. Il a eu deux enfants, dont une fille décédée il y a 3 ans. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Eux, ils ne sont peut-être pas encore morts, mais ils vivent dans des conditions difficiles. Ces 3500 Congolais du Congo-Kinshasa, la République démocratique du Congo, qui ont été refoulés du Congo-Brazzaville, juste l'autre côté du fleuve. Ils sont à une quatre-vingtaine de kilomètres de Kinshasa, vivant dans des conditions de vie précaires. La communauté internationale craint même une grave crise humanitaire de ce côté-là. Martin Matizot. Il faut parcourir 80 kilomètres depuis Kinshasa pour rejoindre le site de Maluku, où s'entassent les refoulés congolais chassés de Brazzaville ces dernières semaines. Près de 3500 personnes s'y pressent déjà, femmes et enfants pour la plupart, ils vivent dans la précarité. Ils ont tout perdu de l'autre côté du fleuve Congo. Mon mari a été arrêté, puis les militaires ont tiré sur lui et l'ont abattu alors qu'il tentait de fuir. J'ai eu très peur avec mes enfants. Mon souci maintenant est de quitter cet endroit infesté d'insectes qui nous piquent partout sur le corps. Depuis le 4 avril, plus de 130 000 citoyens de RDC ont été expulsés du Congo voisin. L'ONU redoute une grave crise humanitaire. Elle exige que cessent ces expulsions immédiatement. Son représentant à Kinshasa s'était déclaré très choqué vendredi dernier, alors qu'il visitait le camp bondé de Maluku. Tout le monde raconte les histoires ici, comment les gens étaient poussés, ont été poussés sur les bateaux. Beaucoup d'enfants sont noyés, ils ont jeté, ils sont tombés dans l'eau. C'est inacceptable. Aussi les expulsions doivent suivre les standards humanitaires. Officiellement, Brazzaville reconnaît avoir expulsé un millier de Congolais dans le cadre d'une opération policière destinée à combattre le banditisme imputé aux étrangers en situation irrégulière. Plusieurs milliers d'autres auraient ensuite pris peur face à l'hostilité manifeste de la population et décidé de rentrer à Kinshasa. L'ONU appelle les deux pays à mener une enquête sur ces graves incidents. Et l'Union africaine qui reste encore muette face à cette situation. C'est ici que se referme en tout cas cette édition du 20h. Mesdames et messieurs, on vous dit merci de l'avoir regardé. Merci de prendre rendez-vous avec l'information à 21h30. Et puis demain, on se donne rendez-vous sur la même chaîne, à la même heure, certainement avec le même plaisir. Bonne soirée à tous.
Thank you.